Super cheval. Super cheval, mais bon, il s'entend très bien avec son jockey, Alex. Bon travail aussi, lui, il faut le dire aussi. Parce qu'il a amené le cheval au millimètre, c'est super. 12-1, il a fallu qu'il soit très très bon, mais la dernière fois, il partait à poteau égal avec Ursula Speed, cette fois-ci 25 mètres derrière, et il lui met 30 mètres pour finir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est amélioré comme ça? Oui, je pense qu'il s'est amélioré. Le cheval est tip-top en ce moment, le cheval il tient pas dans sa peau. Alors, c'est ça que j'ai recouru, s'est rapproché. Parce que le cheval, il est plein de peau et tout. On ne l'a jamais eu si bien. La suite de son programme? Là, je ne sais pas trop. Mais bon, on va lever le pied qu'un jour quand même. On va calmer le jeu un peu. Tu n'as jamais caché que c'était également un super cheval à l'attelage. Est-ce que ça fait partie des futures possibilités que tu t'offres avec lui? Oui. Ça, j'ai bien mon idée là-dessus. C'est à l'attelage, ça va aller. Je vais choisir peut-être même qu'il va recourir à l'attelage avant de recourir monter. Et il sera à suivre tout de suite à l'athlète. Il peut faire un truc dans une belle course. Oui, il peut faire un truc dans un grand quintet ou quoi, dans une très bonne catégorie de chevaux. Oui. Merci. Alex, un seul mot impressionnant? Impressionnant, c'est le mot. Toute la course, tu sentais que ça allait venir ou tu t'es fait du mouron à 1 km de l'arrivée? J'ai monté mon cheval pour lui, je suis parti, je suis resté où j'étais. J'ai dit on va bien voir en face comment ça se déroule, si je peux pas les rattraper, on va pas le tuer pour ça. Et puis en face j'ai fait un semblant, il a été, je me suis retrouvé derrière les chevaux de tête à l'entrée du dernier tournant. Et puis on sait qu'il est redoutable quand il est à cette position et qu'il a pas fait d'effort. Oui, mais Tolima quand même lui a donné du fil à retordre. Ouais, elle a entré de ligne droite, elle a ouvert les mains, elle m'a mis une longueur et demie. Néné, il y a 6 mois, il serait resté à sa hanche. Et puis Néné, aujourd'hui, c'est un crack et il est venu la franchir. Camille, tombé sur un os ce soir? Oui, c'est vrai que le gagnant est un sacré cheval. Il n'y avait rien à faire, je pense. Ouais, dans le dernier tournoi, pourtant, on y a cru. Il y a eu une petite accélération sympa. C'est vrai que j'y ai cru, mais quand je me suis retournée, que j'ai vu que c'était lui qui était derrière moi, il m'a pisté depuis en face. Donc c'est normal qu'il ait eu la mesure. Mais c'est vraiment à la fin quand même. Elle a été très, très courageuse. Ça, la suite de son programme, ça passe par des courses montées encore? Ouais, je pense qu'elle va en avoir. Je n'ai pas spécialement regardé avant la course, mais elle devra en avoir. J'espère qu'on ne tombera pas sur lui la prochaine fois. Mais elle progresse à chacune de ses courses. C'est encore la plus belle qu'elle ait faite aujourd'hui. Je pense qu'elle a encore un peu de belles choses à faire.